Oui, moi je vais bien et vous, la famille, tout le monde, voilà les amis. Aujourd'hui, je vais parler un peu de comment perdre du poids. Comment perdre du poids? Car vous savez, nous sommes des femmes, il y a aussi des hommes qui en ont besoin. Mais ce n'est pas tous les hommes, en général, c'est plus les femmes. Donc, vous savez, on fait une grossesse, voilà, 9 mois. On veut manger tous les bons aliments pour le bébé, pour que le bébé soit en bonne santé et tout. Et à la fin de la grossesse, on voit qu'on a pris beaucoup de poids. Eh oui, moi, ça a été mon cas, les filles. J'ai pris beaucoup de poids pendant mes deux grossesses. J'ai fait deux grossesses. Alors, vous imaginez? Ma première grossesse, j'ai pris du poids, mais pas autant que la deuxième. La deuxième, beaucoup plus. Donc, j'ai dit, ah, il faut que je trouve une solution pour faire partir tous ces poids-là. Alors, j'ai fait la solution, vous savez, pour perdre du poids. L'alimentation, c'est 70% et le sport, 30%. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mise au sport. En même temps, je modifiais mon alimentation. C'est ce que je fais. Vous voyez, mes vêtements, maintenant, ça commence à descendre parce que j'ai perdu pas mal. C'est bien. Là, j'ai perdu de ma grossesse jusqu'à maintenant, j'ai perdu minimum 15 kilos. 15 kilos, vous vous rendez compte? Parce que pendant ma grossesse, ma première grossesse, j'ai pris 12 kilos. Et ma deuxième grossesse, j'ai pris 15 kilos. Faut pouvoir les perdre, hein? C'est pas évident. C'est pas évident. Donc, ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai fait beaucoup de sport. Même les jours où je ne pouvais pas aller faire du sport, je faisais de la danse. Mettez une musique chez vous, vous dansez. En fait, c'est le fait de bouger et tout qui fait que on bouge le corps, on entraîne le corps à perdre du poids. Et des petites recettes. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas les légumes. Oui, les filles, vous n'êtes pas les seules, hein. Moi, avant, je n'aimais pas trop les légumes, mais maintenant, j'aime beaucoup. Comme on dit, l'appétit vient en mangeant. À force de m'entraîner à faire des recettes de légumes, j'ai commencé à prendre goût. J'ai commencé à prendre goût. Et je vous dis, quand on s'y met, au final, c'est très très bon. Il faut le faire. Il faut le faire. C'est pour notre bien-être. C'est pour nous-mêmes. Donc, c'est important. Donc, je fais des recettes. En général, des courgettes, du poireau, des brocolis, des carottes. Des recettes comme ça, je vous mettrai quelques recettes aussi par la suite de la vidéo. Vous verrez. En même temps, c'est bon pour la santé, ça immunise. Et puis, ça nous donne la bonne santé. Et puis, pour ceux qui ont pris du poids ou pas, ça ne sert à rien de se morfondre. Accepter nos corps comme elles sont, nos corps comme ils sont, et faisons-nous plaisir. Ne soyons pas fixés là-dessus. Non. Il faut qu'on se sente bien. Quel que soit le poids qu'on a, il faut qu'on soit bien. À partir du moment qu'on est bien dans la tête, je vous dis, le reste suit. Le reste suit. Je voulais partager ça avec vous parce que c'est des choses que souvent on n'en parle pas. Mais il y a des petits trucs simples quelquefois à faire. Quelquefois, c'est difficile, hein. On ne va pas dire qu'il faut manger tout le temps, tout le temps, tout le temps les légumes. Diversifier avec des féculents, quelques petits trucs moins gras. Vous allez voir par la suite aussi, pas dans cette vidéo, mais dans une autre vidéo que je vais mettre. Peut-être que je la mettrai avant cette vidéo. Même la tieke qu'on aime bien, on peut toujours la manger. Mais juste diminuer l'huile qui se rajoute. On diminue l'huile. Tout ce qui est beurre, on essaie d'éviter un peu. Tout ce qui est matière grasse, on essaie d'éviter un peu. Et ça va beaucoup nous aider à perdre. Parce que garder le poids, quelquefois on en a marre. On veut se sentir légère. On fait plein de choses qu'on aime. Donc les filles, gardez le sourire. Voilà l'expérience que je voulais partager avec vous. Si vous voulez plus de détails, vous pouvez m'écrire en commentaire et je vous dirai. Mais là, je ne veux pas faire une vidéo très 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 longue. Donc, je vous mettrai quelques recettes, des petites recettes rapides. Vous verrez comment c'est. Voilà, maintenant tout me flotte là. Mais c'est bien comme cela.
Comme ça, on refait la garde-robe et puis voilà, on s'amuse encore plus. Bye bye, abonnez-vous, partagez, likez et à la prochaine. Bye bye les amis. On fait des légumes sautés. Au menu, il y a du poireau. Je coupe le poireau. Poireau, courgette, chou. Je vais vous montrer la courgette qu'il y a. Qui va se rajouter tout à l'heure. Le chou découpé avec le poireau. Là, je lave le poireau. Après, je rajoute tout. C'est le menu d'aujourd'hui. Et voilà, c'est prêt. Du coup, j'ai rajouté des carottes au dernier moment pour un petit goût croquant et tout. Super. J'ai goûté, hein, j'ai mis du poivre, du sel, un peu d'épices. C'est super bon, super bon. Les amis, vous voyez, pour votre dessert, vous pouvez découper des petites pommes comme ça. Vous sucrez légèrement, même vous ne mettez pas de sucre, pour les mettre au four. J'en mets partout là. Et vous faites une petite pâte de crumble. Je vais vous montrer tout à l'heure. Que vous allez faire grossir au four aussi après. Vous rajoutez dessus. Tout à l'heure. Votre crumble, les amis. Voilà. Mettez juste un petit peu de beurre. Vous rajoutez, regardez, un quart de la verrine. Petite verrine de sucre. Et 100 g de farine. D'abord, avant d'acheter la farine, je la mets la main. Vous malassez le beurre avec le sucre. Voilà. Quand ça devient pommade comme ça, vous rajoutez votre farine. Je filme avec le portable dans l'autre main. Et vous malassez. Vous malassez jusqu'à ce que ça se détache. C'est tellement simple, votre crumble. C'est tout. Et après, vous mettez dans un moule comme ça que vous mettez au four. Et vous laissez dorer. Après, vous mettez ça sur vos pommes qui sont déjà prêtes au four. Tout à l'heure. Alors les amis, donc voilà, mettez votre crumble comme ça à cuire au four. Et voilà les pommes qui sont bien dorées. Et après, il y a juste à prendre comme ça. Et vous posez sur votre pomme. On mange à la cuillère. Bon appétit, salut! Abonnez-vous, partagez, likez et commentez.